Alors, c'est vrai, c'est marqué dans le langage des Chachamim. Matai yagiu maasai de maasai avotai. Ouais. Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire. Matai yagiu maasai de maasai avotai. Quand est-ce que mes actes vont arriver au niveau des actes des pères, de mes pères, Avraham, Israël et Yaakov? Et cette phrase des Chachamim, elle est très bizarre. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un, maintenant, il se lève le matin, il dit, genre, quand est-ce que je vais avoir des actes de la valeur des actes d'Avraham et de Israël et de Yaakov? Mais même pas en rêve. Ouais. C'est bizarre. Et en plus, c'est marqué Chayav, un homme est obligé. Alors, ça veut dire quoi? C'est juste un vœu pieux? C'est juste un rêve? C'est juste une illusion? Ou c'est une réalité? Deuxièmement, c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, que quand on interroge les témoins, alors on leur dit que sachez pourquoi est-ce que l'homme il a été créé seul. D'accord? Pour dire que chaque homme, c'est un olam malé. Chaque homme, c'est un monde entier. Et que chacun doit dire Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde a été créé. Vous allez dire, c'est la folie, c'est la gava de malade, c'est l'orgueil incroyable. Genre, pour moi, le monde a été créé. Bon, en vérité, le monde a été créé pour moi. Ça veut dire que, en tant que responsabilité, ouais, pas en tant que, genre, je suis le centre du monde et le monde, il est pour moi. Non, c'est que moi, j'ai une responsabilité par rapport au monde entier. Ça veut dire que chacun d'entre nous, il représente un monde. Ça veut dire que lui-même, il est un monde. Et lui-même, il est aussi là. La responsabilité du monde. C'est-à-dire que le monde, il existe aussi grâce à lui. Donc, il a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que le monde, c'est une mosaïque et que un espèce de puzzle extraordinaire. Et chaque pièce de puzzle, elle est nécessaire.